2020 période électorale. Et dans un petit temps que m'étais fait en Dominicani, m'étais gardé qui ça t'a passé. Et l'homme vin stabilisé pendant un bout de temps en Dominicani, moi prend temps pour me comprendre politique en Dominicani. Et vin ouais effectivement pratique politique qui est là dans la période électorale ça parce que pas oublier 19 mai qu'a pral vini là, c'est élection dans pays ça. C'est élection présidentielle. Capital politique leader yo ou bien candidat yo, li repose sous immigrants haïtiens. Dans ce sens ça nous pral parler ensemble avec haïtiens qui l'autre bord frontière là. Ça qui pas gen nouvelle, m pral ba une information. Mais entre-temps démarche pas m'nan. Moi même comme jeune garçon m'a fait. Si m'ka sauvé 150 à 200 haïtiens, m'a fait tout effort que m'capable moi-même personnellement pour me faire. Parce que dans la période que nous t'ai lancé opération KPK, canal la pap campéen, nous t'ai cherché l'argent tout côté pour nous aider haïtiens rentrer en Haïti. Nous t'aider en pile monde. Jodi baga la vin plus grave. M'a invité jeune garçon, jeune femme, ça yo. Moi, je travaille dans la zone Fiusa, dans la zone Babalo-Puntakana, je travaille dans la construction, je travaille dans plusieurs quartiers dans Santiago. Bon, opération pour humilier, maltraiter tous les Haïtiens, qui commence dans Santiago de Los Caballeros. Parce que, pas oublier, magistrat Santiago, qui c'est Abel Martinez, monsieur son raciste tête chargée, monsieur pas vleur Haïtien, il dit publiquement, ok, monsieur lance une opération avec peuple, marché la caille. Haïtien, nous sommes des zones Balio en Dominicani. Pour frapper pour toi, racher pour toi, maltraiter pour toi, racher pour toi, ça qui s'est capé de courir, faire opérer de courir la caillou. C'est l'opération qui lance dans Santiago de Los Caballeros et la pral lancer sur tout territoire dominicain. Ça veut dire qui ça? Il y a tout haïtien en pile. Avant, il y a eu violotti adolescent 14 l'année en Dominicani. C'est agent immigration dominicain qui viole. Est-ce que il y a une défense? Pas une défense. Est-ce que nos autorités qui parlent pour nous? Pas gagné. Sauf que nous gagnons. Qui l'a pour faire l'argent sous passeport. Volant comme moun l'autre bois. En et encore. Mettez vous là comme consul, prends plaisir. Valet ta fière dans tout club de Santiago. Prends plaisir. Domine un hôtel de luxe, domine un Airbnb, prends plaisir. Mais nous même comme citoyens qui gagnent micro, nous disons pas nan abjouel. Ma pral gade pour moi. Moi même avec Foucault pour me garder dans quel niveau nous capables de mettre minimum yon deux bus. Yon Santiago, yon capital, qui pourta au moins faire des voyages, parce que nous n'avons pas assez de l'argent nous-mêmes. Nous avons des signes capables pour nous sauver la vie, on 100 ou 200 grenades haïtiens. Et ça, nous allons essayer pour me faire. Ok? Nous allons regarder dans quel niveau même qu'arriver, parce que pas de moyens. Trop demandé, trop. Situation trop compliquée pour nous. Et c'est ça que nous sacrifier nous-mêmes pour nous sauver la vie. Parce que des goûts n'est pas important pour nous, c'est la vie haïtienne qui est importante pour nous. Entre temps, je profite de dire avec tout haïtien qui a vivre la caille voisine, Fremsem, nous même qui vivons en Dominicani. Moi, je connais la Dominicani très bien. Je vis en Dominicani. Je connais toute zone qui a maltraité nous. Peut-être balio yo, ghetto yo. Je ne sais pas là-dedans. Parce que je ne suis pas là-dedans. C'est la guerre volée, c'est la criminelle. Mais capital San Domingo Santiago, Higüey, Babalo Puntakana, moi connais tout côté ça très très bien. Moi connais dans qui niveau y a pimili haïtien. M te vive l'élection 2020 Dominicani. L'élection qui a accouché Luis Abinadel. C'était étonnant à l'époque. Parce que tout le monde pensait que c'était Gonzalo Castillo qui t'a remporté l'élection. Mais tout Dominique était étonné. Alors Dominique qui t'a suivi. Actualité à qui pas vraiment dans la politique, mais qui connaît comme citoyen, il doit aller voter. Il a détourné les résultats de l'élection by Abinadel monté comme président. Mais c'est un discours raciste à la dernière minute. C'était un discours raciste à la dernière minute. Ma parler comme ça, c'est parce que il y a des gens qui connaissent parler pour nous, moi qui pas parler encore. Nous perdons du monde ça yo. Bon voix qui est extrêmement important, ces amis. Docteur Claude Joseph. Monsieur ces amis. Là maintenant, nous ne pouvons pas parler parce que nous fâchons. Et nous ne pouvons pas parler.
Parce que position Claude Joseph, pas position PAM. Et c'est pas position peuple là. Nous pas parler. Mais m'a salué maman monsieur qui c'est famille amis plateforme ça. Des monde qui supportent des plateformes ça. Qui camper des plateformes là. M'salue maman docteur Claude Joseph. Mais n'a dit où docteur Claude Joseph dans moment ça. Vra ou tape important pour nous en pile. Là, à nous mettre intérêt politique de côté, mouvement politique avec la fait l'argent de côté, à nous faire là avec cœur. À nous faire pour haïtien, pour Haïti. Parce que nous avons des frères qui ont mouru en Dominicani. Ils ont mouru pour tout bon. Ils ont tué pour tout bon. Et m'a dit avec haïtien tout, faut que nous manifestions volonté pour nous sauver la vie de tout. Ils ont violé nous l'autre bon, nous pas faire rien. Nous avons défense. La police a battu nous, militaire a battu nous, agent immigration volant a battu nous, y a maltraité nous, mais nous tout nous collé, nous collé bouddha nous l'autre bois, nous pas déplacer. Nous foutons 100 routes en pile, et c'est dans 100 routes ça qui cause à foutre nous l'autre bois. N'a pas ces misères de construction, pas payer nous, mais nous plutôt être la fête chou le dominicain. On lui nous foutre la caille nous, n'a le planter la, n'a payer nous, nous pas faire, n'a pas émigrer sur la caille mounio, y a tué nous, y a tué petite nous. Nous n'avons jamais décidé pour nous pour tourner la caille nous. Pour nous organiser, pour nous arranger la caille nous. Mais nous plutôt mourir l'autre bord. Nous avons plein. Nous sommes en pile. Nous vivons ça en Dominicani. Moi, Dominique, je suis humilié à ici sur le chantier. Je suis battu, je suis cassé, je suis allé. Demain, si tu veux que l'autre groupe qui connaît ça, je suis fait travail pour Dominique. Je suis coco à côté de nous. Et c'est dans le vicieux nous ça. Qui cause nous foutre nous dans l'autre bord. Je suis salope sale côté de nous. C'est un peu comme un coco à ça, nous même avec. Nous sentons même les politiciens haïtiens. Je dis, je pense que l'étape important pour Dr. Claude Joseph, c'est à fond intervention. Et le plus qui est important. Parce que le crime qu'a fait, il n'y a pas qu'à arrêter impuni. Puis, le crime que moi-même, je parle de Lyon Pile en Dominicanie. C'était assassinat 5 petits bébés, 5 ou 7 petits bébés, petits haïtiens, en Dominicani. Mais image là, je démontre elle. Et m'a prépassé encore. Si vous avez fait dans l'hôpital, qui est le sud d'un Bosch hôpital, mais n'a pas regardé sur l'écran. De ti les anges. Yo touye ni parent ti moun yo touye ni ti moun yo. Sa fait nous vinn confirmer nouvelle là. C'est aux médias dominicains. Aïe 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 monsieur, chaque temps m'a dit bagay là. Monsieur tout temps dans m'a brachim. En vérité bon Dieu. Chaque temps m'a dit monsieur tout temps dans m'a brachim. Zone ça zone connaît bien. La Dominicanie. On connaît très très bien l'hôpital là en face maquette là. Et mais qui c'est que maman haïtien qui a accouché dans l'hôpital ça. Drôle de coïncidence. Famille pas jamais tendé yo. Simon yo jeune yo Simon yo assassiné dans l'hôpital là San Isidro. Alors dans un cimetière devant un cimetière dans zone San Isidro. Mais image à tout écran, on te mettait li. Ben font-y rouler encore. Parce que ça, en vérité, bon Dieu, moi-même, il était froissé. En vérité. Mais, ils sont haïtiens. Ils ont fait filmer l'hôpital là pour nous. Si vous avez regardé dans le temps, c'est petit bébé. Petit bébé, petit les anges. Je vais mettre vidéo ça. En pile, haïtien était réagi. En pile, monde était crié. Moi-même, tout de l'autre sous les yeux. Famille haïtienne, ça, c'est des gens qui vivent dans Balio. Qui viennent accoucher. Petit, qui viennent accoucher. Dans l'hôpital, ça, et bien, maman yo mouri. Yo pas tande maman yo dit tout. Ti moun yo mouri. C'est comme ça. Comment yo jeune ti moun yo mouri? Yo jeune impact balle 9 mm sous ti moun yo. Comment nous faire des confirmation nouvelle ça? Information ça. C'est dans yon rencontre avec la presse. Président dominicain, Luis Abinadel, t'a participé. Gen un journaliste qui pose Abinadel question.
Dit le président, est-ce qu'on a une explication? Sous ce petit bébé, petit haïtien, qui est jeune qui assassiné devant le cimetière San Isidro. Abinadel tellement saisi, monsieur dit, li tan des nouvelles là, mais li apprenne que, il y a deux petits Dominique là dans le tout, mentor. Pour montrer qu'il y a un criminel en pile. Mais quelque part, c'est nous peut-être nous Abinadel. Ah oui, c'est juste l'homme privé qui fait nous peut-être nous Abinadel. Lui même il va tout petit, non? Petit Jocelyn Privel, il a fait petit dans l'hôpital, oui, il n'y a pas de problème. Petit Jean-Marc Belle-Rivelin, il n'y a pas de problème en Dominicani. Petit Jean-Risséen, il a poulé dans le luxe en Dominicani. Ok? Petit ancien ministre de travaux publics, comme il est Jacques Cousseau, il a poulé dans le luxe en Dominicani. Il a vécu bien en Dominicani. Est-ce qu'il y a un problème? Du tout, il n'y a pas de problème. Qui est-ce qui a un problème? Nous-mêmes, attaqueurs haïtiens. Ça pour nous faire contre ça. Seul ça ne fait contre ça, c'est suspendre pour te bourrer en Dominicani. Qui ça ne fait pas pour te bourrer en Dominicani? On choisit pour nous faire, soit nous mourir la caille nous, ou bien pour nous vivre la caille nous. Ou pas dire comment? M'a dit oui. Nèg avec zami, ti volo sa yo ki pou. Si yo di ap bay paye yon chance, ki yo bay paye yon chance pour tout bon. Parce que c'est nous qui avons kidnappé moun nan la rue qui cause peuple à courir en Dominicani. Si l'on te gizam, c'était politicien, c'était fiziavel. Peuple pas d'abge problème dans la rue. T'es toujours te connu que crime Haïti. T'es toujours que kidnapping Haïti. Mais kidnapping pas drive sous moi. Il pas drive sous malheureux, malheureux yo. C'était oligarque yo, gopal te connu fait kidnapping yo. Mais kidnapping pas drive à terre. Mais l'on a gassa pas fait kidnapping. L'ap kidnapping mouna sa pas de pareil. C'est ça qui cause pays en vin pourri. Et puis jeunesse l'an, al humilié tête li en Dominicani. Al tue tête en Dominicani. Tout moun capable gade yo. A gade, on sait de autorité criminelle dans le pays d'Haïti. C'est même nek sa ou décide pour renouveler tête yo. Nan figi moun la, m'a pande ou même kap vive nan zone Babalo. Punta Cana, Floussa. Et Belong. Tout zone ghetto ki nan Punta Cana yo. Ou même kap vive Gwey. Si ou ka sécurise tête ou on kote, pour yon pas jouer nous, sécuriser tout. Mais seul conseil pas pour vous, c'est un créer un moyen pour nous quitter la Dominicanie pour le moment. Si vous tournez après élection, vous tournez après élection. Seul conseil pas pour nous. Parce que tout ce qui a commencé, il est toujours campé après élection. Jour électoral là même, il est campé. Parce que c'est juste ça quand elle a fini. Si vous attendez là, vous remettez tout, vous remettez famille. M'a demandé où soit cherche une zone où senti ou en sécurité en Dominicani ou bien ou sauver la vie ou qui s'est rentré dans le pays ou. C'est ça seulement m'pense m'capable dire nous. Rend tête nous service là. Rend famille nous service là. Peut-être n'a va sauver la vie nous. Et c'est ça seulement m'ka dire nous. Image si bébé soit regardé sur écran. Les policiers dominicains qui touillé yo. Li te parlé dans toute la presse dominicaine, ministère de santé publique dominicain te gen dossier nan mel, ti moun yo obligé prendre cadavre disparaître yo, même yo disparaître maman yo parce que dossier a si que li te rivé dans Nations Unies, li t'a fait trop parler en pile, par la table du pour la Dominicani. Et nous te fan pile tolé ensemble avec elle pour nous te capable faire rivé devant haut commissariat droit de l'homme dans Nations Unies. Nous fait un pile effort. Nous parlons avec un pile haïtien à l'époque. Nous goumé en pile. Nous te voyons qui qualité de bataille qui t'a fait là. Mais malheureusement, nous pas vraiment jeune support. Nous aide nous pour tes paroles là. Qui fait que le pas arrivé exactement côté pour le arriver. Abinadel, avec l'équipe, li, y a un tempérament raciste là. Eh bien, policier dominicain qui est raciste, y a tout yaï Saint-Jean-Rouvelé, Léo Pipito. Mais vidéo de bébé yo, qui est tout yaï Dominicani. Soit il s'est écouté conscience, pas tout là-bas. Sinon, vous m'avez été mourir. Dominique, tu vas y mourir. Ma femme est bien contre la balle d'ailleurs. Parce que moi, pas comme tu as arrêté de me dire ça. Ma petite image à sous écran, parce que nous ne sommes pas capables de quitter l'empile.
Et si j'aime dire là, n'a pas regardé qui ça qu'on capable faire avec équipe nous pour nous garder si nous capable mettre en deux bus sur route là qui est capable mettre une tape mettre haïtien Elias Pina une tape mettre haïtien et d'abord d'accord nous avons progressé, nous avons frité deux bus pour nous faire exercice ça. Si on a ici ta remè, sauver la vie ou toujours, nous allons regarder comment nous avons sauvé la vie. 100 à 200 moun. Nous allons regarder si nous avons fait ça. Parce que la situation est compliquée pour nous. Nous pas vraiment des moyens. Nous allons aller les 2-3 amis nous. Qui nous, monsieur qui est capable de supporter nous. Nous allons demander au support pour être capable d'aider nous sauver quelques vies. Et ben la compliqué. Entre temps passé, alors au même capitaine de la qui est famille dominicaine, voyez l'équipe mission ça pour yo. Peut-être il va attendre lui et puis il t'a prend disposition, il t'a fait un choix. Si vous fermez caillou, vous font quitter la dominicaine après un mois parce que pas oublier élection c'est à 19 mai. Et je dis à nous 15 avril, après avril c'est mai, et 19 mai c'est élection. Hein? Ça veut dire que de vous tourner en Dominicani après élection, ou pas de problème. Ça veut dire que Julie, comme on connaît que nous attachés avec l'autre Boa, c'est celle qui a dit nous, qui peut être capable de faire nous décoller Zago, nous l'autre Boa, m'a dit que ça c'est vérité. Et après élection, tout le bagage est fini. Pas de problème, et nous capables d'organiser nous. D'accord? Nous capables d'organiser nous. Pour que nous aider et nous sauver la vie nous parce que pour une volonté pour sauver tête toi c'est ou même qu'a faire des contacts moi qu'a organiser moi avec petit moyen que me qui pas en pile pour m'organiser me mettre un bus faut qu'on mette une tout et puis pour nous sauver la vie qui grand monde mais si ou même ou gen volonté ou prend bus là et je n'a mettre bus là tout faut rassurer nous que n'a jeune monde qui vient monter là-dedans nous gen pour mettre un numéro de téléphone disponible et depuis n'a faire li pour que moun yo rele pour rassurer que yo paré n'a dit mais combien moun kubis la prend l'a ka fait deux voyages ou bien un voyage pendant journée hein? Si c'est deux jours n'a mettre deux jours pour nous t'ava organiser pour nous sauver quelques vies et ça seulement capable dit pour le moment sinon tout coucou clair bouzion parce que m'était parler nous en pile dit nous prend disposition organiser nous moi comprendre que Haïti pas bon du tout même t'a constaté l'aime de ouais c'est estimé c'est juste. Non, on a met. Qui te quitte. Alors, qui te jeune haïtien. Qui t'a aidé le crase barrière, on a met là. Pour ouvrir frontière. Pour la Dominicani. Continuer à venir au fatra. Non, on a met. M'de ouais. C'est peuple, on a met là. Qui te campé. Qui a crase barrière. Pour continuer à lâcher fatra Dominicani. Et jusqu'à maintenant. Y a massé devant barrière. Frontière là. Presque chaque jour. Pour lâcher fatra en Dominicani. Même si on connaît empoisonné. Dominique a battu nous à humilier nous, mais nous continuons à prendre. Nous sommes en pile. Et tout est pour les messieurs. C'est pour défendre du Valier. Nous avons crasé ma bouda nous tout avec coup de macaque. Nous avons fait nous quitter sans honte senti. Nous foutons sans honte nous ça même. C'est peuple sans honte qui va nous diriger sans honte. En vérité, mon Dieu. Parce que si nous sommes capables de camper dans Wanamet, nous crasé barrière ça. Après qualité belle bataille que nous menons, nous mettons bien dans la genou. À la dernière minute, nous je l'estime c'est juste. Payez-nous, nous venons crasser barrière pour lui. Nous m'a foutre bouler, monsieur l'autre bois. Nous campons à regarder, monsieur. Nous sans honte en pile. Et c'est jeune peuple sans honte, ça y qui fait que vous êtes des dirigeants sans honte, vous êtes sur pareil. La Dominicaine a humilié nous. Ariel là avec l'équipe, li, monsieur. Nous qui avons campé à humilier nous, pire aide. Pendant que nous avons payé en Haïti. Parce que personne qui dit rien. La presse pas là pour te. Pour la presse traditionnelle pas là pour te aider à la bataille. C'est nous-mêmes dans les médias en ligne qui te fait combat. Nous supporter, nous chercher l'argent, n'a pas demandé la fuite de nos votes pour votre diaspora, pour nous jeter l'argent pour nous construire canal, et nous faire, nous sensibiliser tout le monde net venu dans le canal là, tout le monde porter l'argent. Le ça, tout le monde a ouvert bouche pour parler, mais je dis, c'est pas qu'on goutte pour nous jeter le monde parler, dans on a mettre. Woodline Pierce au hasard, Woodline Pierce à ses affaires aux onglons, comment il est John Rose. Bouche bien, belle femme pas un problème, c'est normal pour propre. Mais pas oublier, le canal a été fait commencer. Son Widlin qui était dans la poussière avec nous,
qui t'a pour la avec nous parce qu'il nous t'a bataille. Mais maintenant, ou pas disponible pour nous. Ou pas disponible pour nous. Ça qui a passé après, c'est comme si vous pas t'attendez. En tout cas, ça, le Widlin, le monde pas suspendre pour vous. Et c'est l'émotion de l'amour ça. Cap cause vous pour te critiquer envers vous-même. L'amour est vérité à forme par l'île. L'amour pas fini pour vous. Mais je dis à l'île, pour nous sortir dans ce silence-là, pour nous remettre pied à terre encore, pour nous relancer deuxième phase de bataille-là. Parce que ça qui a passé Dominicani là, c'est ici la passé. Si nous avons défendu, parce que c'est le moment pour nous continuer à faire. L'on parle, l'on parle, mais si nous tous mettons ensemble nous parler, nous sommes tous les deux attendus. Et nous ne pas demandé de tourner la caille. C'est qu'en pile qui te tourne la caille. En pile. Nous ne parlons pas de faire des 100, 150 combien de 1000 Haïtiens qui ont quitté la Dominicani. Là, ça tout chantier, monde parce que pour Ndakana, c'est parce que dysfonctionnel. Appartement, contracté gagné pour te remettre caille en 2024, il a avancé moi sous yo. Parce que pas de gain Haïtien comme main d'œuvre. Haïtien a quitté la Dominicani. Dominicani s'est là à genoux. Tout média dominicain a plaigné. Entrepreneur dominicain. De PDG compagnie. Qui a contre contrat. Construction CD, building et villa. Appartement dominicani. Il a dit qu'il a dans toute radio. Il a demandé au gouvernement dominicain pour te suspendre. Sous mouvement raciste là. Parce que eux-mêmes qui investissent toute l'argent ça. Il y a un contrat dans le bureau et besoin de remettre en 2024. Il n'y a pas qu'à remettre. Mais le Sabinel a commencé à faire bakoui. Le gouvernement a été à genoux. Ou pas, le Sabinel a été frontière qui était fermé frontière. Ou pas, lui-même volontairement, il est obligé de venir ouvrir frontière là. Ça qui fait l'ouvrir. C'est parce que nous te mettons à genoux. Quand est-ce que nous mettons un produit en Dominicani, nous ne connaissons pas, nous prenons le boulet. Devant Dieu, la Dominicani, tout peuple dominicain tête chargé, comme si il a dit à Sabinel, il faut qu'on suspende. Même peuple dominicain qui a poussé l'Alexia, c'est même peuple qui vient comme en face. Et puis c'est même haïtien, dans Wanamet, qui campe, qui crase le mouvement, qui fait Abinadel venir penser qu'elle est superstar sur nous. Et puis nous tous campés, nous avons gardé. Woodlin Pierre, m'en vis ouais ou, m'en vis tendez ou. Et Woodlin, ça m'a pas capé de dire. En plus de temps, et mon appelé pour vous, pas ouais ou, bah une nouvelle, quand on te dit, c'est une pop belle, oui. Elle m'a posé. Bon, c'est pas serré. Ça fait mon pile plaisir, même avant de commencer, faut me dire, ça fait mon grand plaisir. Le moi, journaliste qui a brûlé, moun qui a vu un screenshot sur les réseaux sociaux pour moi, qui a dit, moun qui a demandé pour moi, ça fait mon plaisir. Et m'a dit, tout haïtien, frère, soeur, compatriote, moi, merci. Parce que nous montrer que nous d'accord avec ça, m'a fait. L'homme pas là, nous sentîmes pas là, et nous exiger faut que moi là, alors moins. Bon, absence moins notre temps, ça, c'est que pendant tout le canal, là, je suis négligé en pile activité professionnelle, personnelle, mais professionnelle surtout, que je suis très, très en retard sur yo. Je suis obligé de prendre temps, j'ai une activité qui part. Et dans le département, comme nous connaissons la profession, j'ai un chantier plusieurs côtés, je suis absent, mais je retourne. Bon, je ne vais pas retourner jamais à nous, parce que je ne pas qu'il y ait avant. Mais je retourne, moi là pour nous, moi là pour nous parler. Moi là pour partager l'énergie, pour ensemble. J'aime toujours dire là, parce que nous ne pouvons pas faire. C'est ensemble pour nous faire, pour ensemble. Nous, bataille, nous boumer, pour nous remettre le pays, nous camper sous deux pieds. Et c'est dans la sensibilisation, dans le dialogue, dans conscientisation, notre travail, vulgarisation, côté qui bon la haïtien, parce que moi c'est dans ça me prend un parti positif, côté là n'a vendre côté qui bon côté haïtien, là n'a fait mon yo songer qui est nous comme peuple côté nous sorti côté nous praler, n'a toujours joué une Widlin, parce que tout autant Haïti là, n'a toujours campé avec nous pour nous gommer, pour nous mettre pays nous camper. Ok, qui sont votés pour nous là, madame Widlin? Bon, il y a un pile de monde qui a écrit ma privé sous question déviation de l'eau que la République dominicaine fait, parce que c'est exactement ça qu'on fait. Ça a été reproché nous à tort pour lien, c'est lui-même qui a décidé de faire, parce que il a dit qu'il a dévié rivière massacre. Et il est clair pour tout le monde que nous pas dévié rivière massacre, c'est action ça. Action arbitraire ça que la République dominicaine pose là, c'est lui qui dévie rivière massacre et c'est lui même qui est allé à l'encontre de l'article 10
du traité de paix, d'amitié et d'arbitrage que nous avons signé avec le 20 février 2029. Talè, avant de tourner sur Woodlin, ça va me faire Woodlin. Et Woodlin qui te fait d'amour là. Côté Woodlin qui te fait d'amour là. Bon, Woodlin, c'est Woodlin ça qui te fait d'amour moi-même. Et pas oublier, moi-même, je n'ai pas fait pas moi. Comprends-moi? C'est même bagarre là. Parce que l'on considère, nous n'avons une rivière qui partage. Quand on prend 11 prises de l'eau pour faire manger la caillou pour porter 20 nous, là nous décidons pour nous prendre yon. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas faire ça. Ils ont compris nos capacités, nous l'ordre pour ils dit nous non. Camper, si nous ne pas camper, ils ont fermé les frontières. Là, ils ont fermé les frontières, nous ne pouvons pas manger. Et même, ils ont dit nous, nous fous nous, nous damons nous, nous fiers de nous. Qui va bailler la République Dominicaine sans rien pour nous. Qu'on a ces yeux à plein. C'est vrai, ça fait un peu fier de nous. Nous connaissons des choses pas faciles pour nous. Nous connaissons des gens qui vivent de frontières. Nous connaissons des gens qui font des business. Des gens, au jour le jour, ils sont sous frontières. Ils vivent de frontières. En pile nan moun sa machin ki gen marchandise en République Dominicaine. Yo di yo pou canal la campé, pi to perd du marchandise yo. Moun sa yo, nou nan kam, nou pa konnen ki sa nou représente pour Haïti. Nou se des héros. Ça en pile fois, représentant nou yo pa faire, nou fèl. Ça veut dire travail de mémoire ça que PGN avec tout partenaire li yo décide faire. C'est un bagaille que l'État te doit prendre en charge parce que l'œil le gouvernement décide de tuer entre 20 à 30 000 personnes juste pour couleur polo, juste parce qu'ils n'ont pas qu'à prononcer péril pour les tuer. C'est des gens qui vivent depuis la nuit des temps dans l'espace. Ils ont décidé de blanchir la chose pour les tuer. Et puis pour c'est l'État par nous-mêmes qui cherche à casser feuilles, couvrir ça. Si nous avons une histoire, nous avons pile bagaille. Nous ne pouvons pas prendre mes Dominicains. Nous avons pile haïtien qui a couru à la République Dominicaine. Elle fait bien. Elle a acheté gros caille. Elle a senti bien. Nous avons toujours connu. Un jour, ça a retourné contre eux. Effectivement, vrai. Ça a retourné contre eux là. Et vous regardez pour eux. Gouvernement dominicain interdit, yon haïtien qui a un visa dominicain sous passeport lui, li interdit ou entre la kaili. Vous comprenez? Li interdit ou entre la kaili. Et puis qui est-ce qui veut nous visa? Yon même qui veut nous visa. Qui est-ce haïtien ça oui? Son paquet haïtien, yon loue kaye avec passeport nan men oui. Yon loue kaye avec passeport nan mon sans visa. Yon loue kaye avec passeport nan mon avec visa. Pendant que ou habite la kaye, yon konne ou habite nan kaye. Yon konne ou illégal. Yo loue kay. Ou a fermé local pour faire business. Ou payer, yo touche nan mon. Et puis yo décide vin combattre, yo du illégal. Et puis yo veut aller au pied la caillou. Yo vole tout sac la caillou. On parle Woodlin. Ça Woodlin pam nan qui dit fait moi-même, nous laisse outé sous chantier avec nous t'a bataille. C'est que nous-mêmes bon côté pas nous. Pendant yo a pas prendre nous vivre ensemble. Yo dit nous sont zilé, faut que nous entende nous, faut que nous vivre ensemble. Mais au niveau de la République Dominicaine, dans l'éducation même, depuis l'école, ils ont appris, moi-même, ce monde qui étudie en République Dominicaine, leur a fait pour 10-3 pour vous. Si vous êtes ici ou dans la salle de classe là, ou pas qu'à sortir quitter la salle de classe là. Parce que son histoire est raconté contre l'haïtien, pour montrer l'haïtien c'est bête. C'est ça qui fait où nous dans le mouvement, nous y est là. Pour nous boumer, pour nous faire une prise de l'eau, pour faire planter bay manger appétit de la population. C'est parce que yo vle, yo pas d'accord nous avancer, yo vle kembe nous sous domination. Yo pas vle nous mettre vente nous. Yo vle c'est eux qui pour responsable nous pour là yo vle yo ba nous et puis là yo vle kembe. Et alors qui mange comme mes amis? Parce que qu'on y a si en pile monde pas connait, nous quoi nous commencer connait en pile nan nous. Pour aller décider de retourner vers la terre pour nous manger. Parce que le manger est venu en Haïti. Il n'y a pas qu'à entrer, c'est jeter, jeter. Nous avons un laboratoire qui fait des médicaments seulement pour Haïtiens. C'est ça qui fait moi-même. Moi, je vois l'importance de tout canal ça qu'a construit là. Qui éveille nous. Qui réveille nous pour nous pas prendre ça dans main encore. Pour nous pas quitter. En 1937, viennent répéter sous nous encore. Nous connaissons plus Haïtiens, République Dominicaine, qui vont caillou. Parce que vous venez comprendre, ça vous pensez à ce pas ça. Vous n'avez pas compris bien qu'on est histoire dominicaine côté vous enseigne pour vous parler mais haïtien, pour vous voir haïtien comme des diables, comme des bêtes. Nous-mêmes, nous parlons de pour nous remettre nous.
Nous pas supplier Dominicain pour aimer nous. N'a exiger Dominicain pour yo respecter nous. Nous c'est un peuple souverain qui a vécu sur l'île avec eux. Et nous représentons dans l'économie à peu près 3 milliards de dollars. Alors y a un peuple qui capote toute l'argent ça. Comment nous affaire les peuples qui n'ont misère, peuples qui n'ont pauvreté. Si nous quitter à dire ça c'est pas ce que nous voulons. L'argent ça a été créé richesse. La caille nous, pour la population nous manger. Mais le plus souvent, nous choisissons une solution facile pour nous chercher à manger à tout fait et puis nous quitter et empoisonner nous à petit feu. Parce que l'œil a pas de manger ben nous pour ça. Ils mettent fait aspiration à manger pour insectes, pas qu'ils sont en train de manger. Ils ont des produits chimiques. Là, ils mettent dans manger, ils ont besoin de 96 heures de temps pour toxines qu'il a dans produits chimiques qu'il a dans éliminer. Alors nous-mêmes, yo fidèle aujourd'hui, yo potel ban nous demain. Tout ma bagage ça, tout toxine ça on apprend. Il y a pas accumulé dans rien nous. Il y a ban nous toutes sortes de maladies. Nous pas connait une bonne maladie qu'on a même nous pas dans l'hôpital pour yo même diagnostiquer maladie ça yo. Et puis en pile fois nous dit c'est manger à manger nous. Non, il y a manger nous vrai, mais c'est pas ici qu'a manger nous. C'est poison on apprend par rapport à l'argent nous n'a pas acheté poison. Pour nous prendre poison. Nous disons, nous, est-ce qu'on a oublié 1937? Non! Est-ce qu'on a permis 1937 de répéter en 2007? Non! Eh bien, Abinader, nous toujours connaissons, nous gagnons des traites parmi nous en Haïti. Où est-ce que tu as un an? Fait, oui! Grand pire monde qui prend pas, il a fini revendiquer. Il y a parlé. Cette traite, il y a un ami dans nous. Grand pire monde, nous, qui a parlé, ben, sous canal là. C'est conseil, oui! C'est foyer, foyer! Parce que y'a pas d'accord, nous unis. Yo sais si on nous unis, on connaît depuis nous unis, nous avons fait un pile bagay. Nous t'es unis en 1803, nous t'es baillé indépendance en 1804. En 2023, la prévété encore, n'a pas uni, nous pas quitter entre dans mi-temps nous. Parce que Haïti, son peuple libre et souverain, 1937, pas prévété en 2023. Abinader met allié. Tout soldat, tout avion de guerre, nous-mêmes, nous pas qu'on a fait Abinader, nous pas dans conflit, nous juste appuyer, planter nous, yo, qu'à chercher marien pour yo manger, yo gué terre, nous gué terre fertile, nous gué près de 12 000 hectares de terre fertile, qui qu'à bailler nos dés manger. Cependant, nous quitter, nous yo mettez nous dans une situation pour nous manger des rejets. Et manger dans mes nous. On nous dit aujourd'hui, nous peut-être nous en charge. On nous dit aujourd'hui, nous grand monde la caille nous. Est-ce que nous voulons grand monde la caille nous? Oui! Et mais nous pouvons ça déjà. Aïe, bon, 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 nous. N'avancez. Nous ne sommes quittés la République dominicaine. Nous ne sommes quittés la République dominicaine. Nous ne sommes quittés oubliés. Que si il y a un peuple barbare, si il y a un peuple criminel, si il y a un peuple raciste, un peuple sanguinaire sous Iléa, c'est eux-mêmes. Parce que nous-mêmes, nous pas fait sang dominicain couler. C'est eux-mêmes qui fait sang haïtien couler. Pas jamais qui t'a oublié ça. Parce que eux voulaient faire ces bagages-là. Pour eux faire nous tourner bête là. C'est eux-mêmes qui bon monde. Et ceci, c'est au niveau international. Nous-mêmes, nous pas décidé raconter histoire nous. Faut nous qu'on y a décidé pour ses propres narratifs nous, qui racontait pour nous faire timounio. Même je eux-mêmes, y a pas inculqué haine de l'haïtien. Dans l'école, nous pas inculqué haine nous-mêmes. Non, mais n'a fait qu'on est qui est voisin, comment pour nous comporter nous à voisin, que nous pas de jamais c'est de vos voisins. Jamais, voilà, Woodline Pierre, femme quand son entaille, femme en dehors, petit paysan. Et c'est Woodline ça, qui c'est Woodline Pam nan moi-même. Pas de problème, non? Woodline ça, c'est Woodline Pam nan. C'est Woodline ça, moi-même, de découvrir. Et c'est Woodline ça, je me sens qu'il était Woodline peuple là. Ok? Oui, il y a des activités personnelles, c'est normal, oui. Ils sont professionnels, ils ont des chantiers dans tout petit coin. Et ils ne peuvent pas négliger tout à fait personnel parce que faut qu'ils vivent, ils ont des familles. Mais pas oublier. Et pas oublier le comportement. Ils font moins. L'amour pour Woodline fait que jusqu'à maintenant, aussi de bas, m'pas cap dit pour le moment. Et pas oublier. Et m'vive en Dominicani, bataille que m'a fait pour pays, surtout dans la bataille et dans ce canal ça, les vins ben moyen pile en pile monde pour me parler de Haïti à Dominicani, qui parle avec moi, et dans dernier temps, qui vient ben pile information tout. M'poukou vle dit de bagay, parce que m'touve que l'hypoko nécessaire.
et li beaucoup nécessaire. Parce que Nabdil, au moment opportun, Nabdil. Mais c'est Woodline, ça nous a besoin. Après, nous avons demandé pour Woodline, Woodline pas de parler. Woodline devine faire sortir ça. Mais entre temps, il y a Madame Pamela White. Madame Pamela White qui parlait là. Et t'assemblé là, m'getan gagné là, ben moi, si m'getan gagné, n'ta getan mette le petel pour nous. Madame Pamela White qui parlait sous dossier Guy Philippe. Ok, Madame Pamela White. Et ben moi, si m'ta getan pour Madame Nala plonge ba nous. Et Woodline, faut-il poser toujours. Pamela White, Pamela White. Ok. Et. Abliez non, Madame. Et. C'est ça. Nous avons Madame Pamela White, et ancienne ambassadrice. Et américain dans la coupe pays d'Haïti sous Matéli Lamotte et dame ça pas dame prend plaisir comme ça non papa oh dame ça pas pour prendre plaisir non pour prendre plaisir tout pas et papa c'est dans pays non dame ça lui même joli la bracelet ou dit dans pied il a prend plaisir pas même lui tout côté comment ça mettre lui tout côté il a calé quoi madame monsieur voilà madame Pamela White nous pour le faire par la voix là oui et au métronome métropole Haïti Wendell Théodore Nick Jacmel Nick Santibon Nick Fré Jacques Melou n'a pas payé moi. Le Wendel n'a pas payé moi. Oui. Madame Pamela, Wendel. Hein, Wendel Théodore, Radio Métropole Haïti. Et nous parlons de regarder ensemble avec lui. Je ne suis pas content de lui. Ensemble avec nous, nous parlons de lui parce qu'il fait que vous voyez tout. Et je ne suis pas content de lui parce qu'il fait une interview ça jeudi sur Radio Métropole Haïti. On court, non. On faut regarder ensemble avec moi parce que nous connaissons ça qui gagne. On a tendu l'ensemble. Et nous tout nous franchement tout même oreille si me t'attendre pour nous t'attendre maintenant tout attendre l'ensemble rapide avant que nous tourner sur madame Woodline Pierre. Woodline Pierre a tourné sur tout à l'heure entendre ancien ambassadrice là et qui c'est madame Pamela White. Wendell Théodore nous salue au radio et télé métropole crédit vidéo pour Kebela. Bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Nous sommes aujourd'hui lundi 15 avril. Nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau l'ancien ambassadeur des États-Unis en Haïti, Madame Pamela White. Avec notre invité, nous allons tenter de commenter l'actualité. Nous allons aussi revenir sur certaines déclarations qu'elle a faites, notamment dans la presse internationale ou encore aux États-Unis d'Amérique. Elle est avec nous. Et c'est avec plaisir qu'on l'accueille sur le plateau de la rubrique Le Point. Madame White, Madame l'ambassadeur, bonjour, bienvenue sur Radio et Télémétropole. Merci, Ampi. Je suis très content d'avoir la possibilité de vous poser des questions. Moi aussi, allez-y. OK. La première question que j'aurais bien aimé vous poser, Madame White, Les Américains ne négocient, en fait, affirment ne pas négocier avec des terroristes. Comment vous comprenez le terme, comment pourriez-vous nous expliquer le terme terroriste? Qui l'est ou qui ne l'est pas? Ouais. Merci pour cette question parce que c'est beaucoup des amis en Haïti m'ont dit, mais pourquoi vous avez dit ça? C'est pas bon de tout. Ma téléphone était bling, mille fois. Mais c'est ça que j'ai dit. J'ai dit qu'il faut parler avec, il faut prendre quelques minutes pour parler avec les bad guys. Je n'ai pas dit qu'il doit être en puissance. Je n'ai pas dit qu'il doit contrôler le gouvernement. Je n'ai pas dit qu'on doit être les meilleurs amis. Seulement que si vous avez quelqu'un qui contrôle 80 personnes de Port-au-Prince, et même plus, je crois, maintenant, je crois que ce n'est pas une mauvaise idée si quelqu'un, sous la table, si vous voulez, demande à lui, à cette barbecue et peut-être son équipe, seulement demander qu'est-ce que vous voulez. S'il dit, moi, je voudrais être président, OK, c'est fini. La négociation, c'est fini. Il ne va pas être président, évidemment. Mais de l'autre côté, moi, je vois que je crois que c'est absolument nécessaire d'avoir boots on the ground. C'est-à-dire, il faut une force militaire.
international. Et je crois qu'il doit avoir une bonne idée quel est le vrai problème, qu'est-ce qu'il doit faire, pourquoi ils sont là en Haïti. Et personnellement, moi, je crois que les troupes, 1000 troupes de Kenya, je n'ai pas beaucoup d'espoir pour eux. Je crois qu'il faut une force militaire. Et personnellement, je crois que ça doit être américain. Je sais que tout le monde, tous les diplomates en haut, les grands titres de Washington a dit que c'est non, on ne va pas envoyer les troupes américaines en Haïti encore une fois. Mais pour moi, je ne vois pas une autre solution. Et une autre chose. Je crois que quelqu'un, un journaliste ou quelqu'un a dit que Madame White, l'ancienne ambassadeur, elle est une dumbass et on n'a pas besoin des dumbass en Haïti. Ah, et s'il vous plaît, madame, dans tous mes respects, je peux être une smart ass, je peux être une bad ass, mais je ne suis pas une dumbass. Merci. Vous traduisez pour nous cette dernière phrase? Oui, oui. Y a des gens qui disent que je suis un oiseau de mauvaise augure, que je suis quelqu'un qui n'est pas tout à fait positif ou bien qui prêche de mauvaises intentions. Je ne le suis pas. Mm-hmm. Je dis tout simplement que c'est nécessaire qu'il y ait certaines considérations particulières. Je dis, tout haut, ce que les gens disent tout bas. OK, en tout cas, je n'avais fait allusion à personne en particulier quand j'ai posé la question, quand je vous ai posé la question, madame. Mais vous m'encouragez là à enchaîner avec une autre question. Notamment, est-ce que vous pensez que le gouvernement de Joe Biden reconnaîtrait un gouvernement issu d'un coup d'État avec Guy Philippe ou Barbecue? Non. Est-ce que je crois que le gouvernement de Biden va parler avec un gouvernement qui était à la tête de Guy Philippe ou Barbecue? Non, 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 certainement. Pas de question de ça. Mais aussi, ça, c'est pas la solution. Ça, c'est sûr et certain. Mais de l'autre côté, cet nouveau conseil de transition, ça, c'est aussi, il y a déjà des problèmes avec ça. J'ai lu ou j'ai parlé avec quelqu'un hier. Question Wendell Deodora. M'a tourné sous l'île, m'a quitté nous tendez. Ok, vous entendez? Question, je ne comprends pas question même. Wendell, un peu de respect pour vous. Et, bon, je vais quitter l'ambassade sans répondre toujours. Mais naturellement, question, façon de poser question, li mal sonné. Il y a soir qui dit que la chose qui était dans le moniteur était complètement différente que les mots que le nouveau conseil veut. D'être dans le moniteur. C'est-à-dire qu'il dit que les 9 ou les 7 membres, 9 peut-être, doivent avoir un certain. Ils ont demandé des choses qui ne peuvent pas d'être fait maintenant en Haïti parce qu'il n'y a pas un judiciaire où on peut avoir certaines choses. Les choses, les mots qui étaient dans le moniteur, c'est presque, ils posent un problème pour que les nouveaux membres ne peuvent pas prendre la place en Haïti comme le gouvernement. C'est stopped. Pour le moment, je vois, je ne sais pas ça, qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais moi, je vois que le nouveau processus, qui au moins, c'est quelque chose, c'est un mouvement, maintenant, ça aussi, c'est bloqué. C'est ça que vous pouvez, que vous croyez aussi? Que le processus est bloqué? Oui, je crois. C'est complètement bloqué parce que les mots étaient changés dans le moniteur. C'est pas les mêmes mots qu'il faut
pour approuver les 9 membres, nouveaux membres. Pour le moment, c'est au moins c'est ce que mes contacts, ils sont bons, m'ont dit que pour le moment, Henri est toujours le premier ministre. Et tous les ministres qui étaient sous, dans son équipe, ils sont toujours les ministres. Mm-hmm. C'est vrai? Ah, vous me posez la question à savoir si c'est vrai. C'est ça que vous pensez aussi, quand Henri est toujours le premier ministre. Oui, c'est ça. Je crois que c'est sûr et certain. Et ça pose un grand problème. Un grand, grand problème. Madame White. Pour le moment, il n'y a pas de gouvernement qui fonctionne en Haïti. Ça, c'est sûr et certain. Mais pour moi, la chose qui est la plus importante, c'est la sécurité. On parle de 9 personnes, c'est OK, on parle de 9 personnes, mais on ne parle pas de sécurité. On ne peut rien faire en Haïti s'il n'y a pas de sécurité. Mm-hmm. Il y a 5 millions de personnes qui sont assez de manger. Il n'y a presque pas de l'eau, il n'y a presque pas de nourriture, il n'y a pas de les choses pour les médecins. C'est une crise humanitaire qui est incroyable à penser. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas beaucoup plus d'intérêt des États-Unis. Et pour le moment, je parle aux gens qui travaillent dans l'équipe de White House, pourquoi il n'y a pas plus d'attention sur la situation sécuritaire? Parce que c'est ça où le peuple haïtien, c'est ça où il souffre. Et pour moi, ça c'est la première chose qu'on doit faire pour le peuple d'Haïti. Je ne parle pas pour le peuple d'Haïti, le peuple d'Haïti peut parler pour eux-mêmes. Moi, je parle aux gens à Washington, et je demande à eux, il faut envoyer l'aide humanitaire. Il faut envoyer la nourriture et de l'eau et des choses médicales. Il faut faire ça hier. Demain, pas semaine prochaine, pas l'année. Ça fait des années déjà où les peuples haïtiens souffrent trop. Et maintenant, il n'y a pas, pour le moment, je n'ai pas d'où, je n'ai pas quoi, une solution sur la situation humanitaire. Je ne vois pas. Mm-hmm. Je vois que si cette nouveau conseil de transition, si, et ça, c'est pas sûr maintenant, si une fois qu'ils sont là et ils sont le gouvernement, c'est eux qui peuvent des choses pour la sécurité, pour que la situation améliorée. Mais avec quoi? Le police haïtienne, je crois qu'ils try. Ils sont 5 000 personnes. Les gangs, ils sont 25, 30, 35 personnes, 1 000 personnes. Comment 5 000 personnes de police peuvent combattre 30 000 gang members? Je ne vois pas comment le faire. Et est-ce que quelqu'un pense que les 1 000 Kenyans vont venir en Haïti et tout se va bien? Je ne crois pas. Mm-hmm. Je crois qu'il faut une autre solution. Madame White, vous venez de dire il y a quelques instants que vous n'avez pas beaucoup d'espoir dans le déploiement de la force multinationale avec à sa tête les Kenyans. Si vous n'avez pas beaucoup d'espoir, c'est que vous pensez qu'il y a d'autres options. Et les Américains... Les autres options. C'est ça que je dis. Je dis ça clair. Parce que je parle avec beaucoup de mes amis. Quelqu'un qui est en Haïti, il y a beaucoup qui en Washington et l'autre partie. Franchement, presque chacun, jusqu'à aujourd'hui, presque chacun a dit la même chose. 1 000 Kenyans ne peuvent pas régler la situation sécurité en Haïti. Je crois que c'est incroyable que personne croit que ça c'est une possibilité. Moi, je ne vois pas comment ça va. Un autre grand problème, j'ai lu seulement ce matin, très tôt ce matin,
que les Uzi et les whatever they are, les grands munitions, ils sont toujours ils commencent en Miami ou Floride, quelqu'un, et jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup sur le mer qui vont arriver en Haïti cette semaine même. Comment, pourquoi on ne peut rien faire avec ça? Ça, maintenant, Haïti est le pays où la plupart des guns, les grands, horrible guns, avant c'était les autres pays en Amérique du Sud, mais maintenant c'est Haïti qui reçoit plus de guns de tous les autres pays. Ça, c'est impossible. Et un problème là, j'ai lu ce matin, que c'est la première fois que j'ai lu ça, que c'est à cause de cette administration, la Biden administration, et laisse-moi être clair, moi je suis un démocrate, mais le Biden administration, ils ont coupé beaucoup de l'argent, les fonds, pour le Coast Guard. Et le maintenant, il a seulement 2 ou 3 bateaux. Et même eux, c'est difficile d'avoir assez de personnes parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Le budget était complètement, comment dire ça, coupé. Et maintenant, on a beaucoup de difficultés. Il a dit, c'est impossible avec son équipe maintenant, avec l'argent qu'il a, qu'il peut contrôler les armes qui quittent notre pays. Ça, c'est absolument ridicule qu'on ne peut pas régler cette ammunition. C'est quelque chose de très triste pour dire à tout le monde on ne peut rien faire pour le trafficking. Pendant le temps que j'étais l'ambassadeur, c'est les drogues qui étaient le grand problème entre les deux pays. Maintenant, c'est les armes. Mm-hmm. Et on dit qu'on ne peut rien faire. Oui. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on ne peut rien faire pour contrôler et empêcher que les armes arrivent en Haïti de la Floride? Vous pensez qu'on ne peut rien faire vraiment? C'est pas moi qui dis ça. C'est les gens de Coast Guard qui a dit ça ce matin. J'ai lu ça dans un article. Il dit que, c'est triste et c'est horrible et tout, et blablabla, mais ils n'ont pas de l'argent, ni les gens qui peuvent le faire. C'est eux-mêmes. OK, Madame White. Madame White. Mais moi-même, mais tout le monde en Haïti peut voir tous les armes qui sont là. Les gangs, ils ont plus des armes que les polices. Oui. Il y a une hypothèse alimentée par certains groupes politiques qui prétend que les États-Unis auraient volontairement créer la crise haïtienne, planifier le chaos et même la destruction afin de venir se présenter en sauveur, occuper le pays et s'accaparer de ses ressources naturelles. Qu'est-ce que vous répondez, qu'est-ce que vous diriez à ces propos-là? Non, je crois que ça c'est pas du tout vrai. Non, c'est une idée que je n'accepte pas du tout. Mais c'est une chose qui est vraie, que ça fait maintenant presque 3 ans après que Moïse était tué. Et juste même après il était tué, tout le monde dit « Ah, ça sera difficile parce que le gouvernement, je ne sais pas qui va contrôler le gouvernement ». Et Henri était arrivé 2, 3, 4 mois après ça. Et au commencement, on dit, OK, il sera là pour, je ne sais pas, 10 mois, 12 mois, une année, blablabla. Mais tout le temps qu'il était à la tête du gouvernement, des choses étaient venues pires et pires et pires. Et tout le monde a regardé ça, même pas les États-Unis, tout le CARICOM, la France, le Canada, tout le monde a regardé que les gangs, peu à peu, à commencement, les gangs ont contrôlé 20 personnes, et 40 personnes, et 60 personnes, maintenant, au moins 80 personnes.
Et rien n'était fait. Et c'était une question, je crois, de qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On ne veut pas mettre en cause les troupes en Haïti. On ne veut pas faire une autre occupation jamais. On ne veut pas faire le UN. Mais il y a beaucoup de choses qu'on a dit. On ne peut pas faire ça. On ne veut pas faire tel et tel et tel et tel. Mais presque rien a dit que, oh, les pauvres anciens, les peuples, ils n'ont pas assez de... Il y a des gangs partout, ils n'ont pas assez de boire. Mais rien n'était fait. Et maintenant, il y a une crise incroyable. Rien ne fonctionne dans le pays. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de médecins. Il y a deux seuls hôpitaux qui fonctionnent pour le moment. Et maintenant, on trouve la situation presque impossible à décider qu'est-ce qu'on doit faire. Mais pour faire rien, ou presque rien, ça c'est pas un réponse, ça fait pas un réponse. Le chef du UN a dit il y a, je crois que c'est la semaine passée, que la situation Haïti est le pire du monde, la situation humanitaire, c'est le pire du monde. C'est du monde, ça c'est, il y a beaucoup de places qui souffrent, mais quand on voit cette situation et on fait presque rien, ça c'est pas acceptable. Mm-hmm. C'est pas acceptable pour moi. Mais il y a une autre chose aussi que ce matin, c'est pendant le week-end parce que je savais que je serais ici ce matin, j'ai regardé toutes les nouvelles sur la télévision pendant le vendredi, samedi, dimanche et même tôt aujourd'hui, rien, même pas un mot sur Haïti. Beaucoup d'Irak, beaucoup de Gaza, beaucoup d'Ukraine, mais même pas un mot. Et moi, je me demande pourquoi Haïti n'est pas sur toutes les nouvelles, télévision ou écrite ou quelque chose. Je ne comprends pas du tout. Mais ça, c'est une autre chose qui... Vous, journaliste, et je suis sûre que vous avez beaucoup de amis aux États-Unis dans le domaine du journalisme, et vous devez parler avec eux. Il faut que Haïti est sur la télévision chaque jour, pour qu'on peut shake the trees en Washington, pour que Washington commence à faire quelque chose maintenant, pas demain, pas semaine prochaine, mais maintenant. Mais je ne vois pas, parce que c'est pas quelque chose qui est dans la nouvelle des États-Unis. Je crois que c'est quelque chose que permettent les politiciens à dire, OK, Haïti, on va faire quelque chose la semaine prochaine. Oh, on va envoyer 1000 soldats ou policiers de Kenya, cette situation, c'est OK. Mais c'est pas OK. C'est pas du tout OK. Madame l'ambassadeur, il y a aujourd'hui un narratif très populaire qui veut faire croire que les pays occidentaux, États-Unis, la France, le Canada, refusent de prendre part directement à des opérations militaires en Haïti à cause des reproches qui leur sont donc adressés pour les échecs connus dans le passé. Est-ce que vous croyez que c'est justifié? Non. Malheureusement, je ne crois pas que c'est justifié. Et pourquoi est-ce que les États-Unis... Non, je comprends bien qu'il y avait des problèmes. J'étais même là. Mais il y a le choléra, il y a des rapes, je ne sais pas le mot en français pour rape, je ne veux pas savoir. Je sais qu'il y a des problèmes avec les soldats dans les voisins, ils ont fait des choses pas gentilles du tout, mais c'est-à-dire qu'ils prennent des choses sans payer, c'est pas, il y a des choses qui n'étaient pas bonnes, mais est-ce que ça c'était vraiment horrible? J'accepte ça, mais pour faire absolument rien,
comme il y a un très fameux, très, très, très bon, intelligent ambassadeur Tom Shannon, qui connaît Haïti très bien, et il a visité comme pendant le temps que j'étais là souvent, il était expert dans la région, il était numéro 2 du département de l'État pour une certaine période de temps. Et il a dit que « it is shameful » que les États-Unis ne fassent pas quelque chose plus pour Haïti. C'est-à-dire qu'il faut envoyer les troupes américaines. C'est « shameful ». Et pour moi, c'est ça que je crois aussi. Je ne veux pas que les troupes américaines soient en Haïti pour gérer le pays. Non, ce n'est pas le rôle de tout. Mais au moins, il faut aller pendant une période de 6 mois pour qu'il puisse ouvrir les humanitarian corridors. Les corridors, je ne sais pas si c'est le mot français, humanitarian. Mm-hmm. Pour que Alors justement, c'était Madame et Pamela White. Ancienne.